Samir, je pense que vous connaissez tous les endives au jambon. Là, je vais vous montrer une autre façon de les faire qu'avec du jambon. Et c'est tout aussi bon. Je commence par emballer mes endives dans du sellois. Et je ferme le sellois comme un bonbon. Voilà. J'en ai quatre comme ça. Maintenant, je vais les mettre 15 minutes dans de l'eau à ébullition. Voilà. Je baisse un peu le feu. Il faut que ça, reste, ça bouillisse quand même. Hein. On se retrouve dans 15 minutes. Maintenant, j'arrête le feu et je vais sortir mes endives. Je vais les laisser refroidir un tout petit peu avant de continuer à les façonner parce que j'ai pas envie de me brûler les doigts. Alors, on se retrouve dans 5 minutes. Maintenant, mes endives sont plus trop chaudes. Je vais les libérer de leur plastique. Là, je vais en faire juste deux pour vous montrer. Les autres, je le ferai en dehors de la caméra. Voilà. Donc, mes endives sont cuites. Et c'est ce que je voulais. Voilà, je fais la deuxième. Voilà, je la libère. Elle est bien dedans, elle ne veut pas revenir. Et voilà. Pour l'instant. Maintenant, je vais les enrober avec une tranche de lard. Là, je pense qu'il va me falloir 3 tranches par endive. Ouais, 3 tranches. Bon, elles sont pas très belles, mes tranches de lard, hein. J'aurais pu trouver quelque chose d'un peu plus joli. Alors voilà pour la première. Je vais faire la deuxième. C'est un petit montage, hein. Et voilà la deuxième. Et dans une poêle déjà préchauffée, je vais faire griller les quatre côtés de mes endives, comme ça. Maintenant que les quatre côtés sont grillés, je vais les retirer du feu. Maintenant, il ne me reste plus qu'à déposer une endive sur un lit de pommes de terre. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo comment je fais ce lit de pommes de terre. Ajoutez une petite garniture, comme ça. Et je finis par mettre une petite sauce de maïs par-dessus. Et voilà, le tour est joué. Je vous invite à essayer, c'est très bon. Et franchement, vous n'en reviendrez pas.
Moi, je vais aller me régaler, je vais aller manger tout ça. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.